Même avec un temps comme ça, un peu pluvieux, c'est très reposant comme temps. Demain, je vais reprendre la route pour remonter dans le nord. Je vais aller voir un petit peu mes proches et mes enfants. Bon voilà, après un bon petit café avec Sophie qui est passée me voir avant d'aller au travail et puis question de se faire un petit bisou avant de prendre la route. On va commencer à se préparer à prendre la route maintenant. À la prochaine. J'ai préféré couper la vidéo en deux pour pas vous faire une énorme vidéo. Bonjour à tous, c'est Manu et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui avec un beau petit soleil mais par moins 7. Je vais faire très vite et je vais me remettre au chaud dans le camping-car. Et je vous laisse avec ce nouvel épisode et la suite de la vidéo précédente qui était ma remontée vers le Nord-Pas-de-Calais où j'ai passé quelques temps. Dans cette vidéo, je vous en dis aussi un petit peu plus sur le nouveau setup que j'ai reçu. Alors j'espère que vous allez passer un bon moment et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces, à vous abonner si c'est pas encore fait et moi je vous dis à bientôt. Il est tout juste midi, on n'a pas roulé trop longtemps, mais je me fais ma première petite pause juste à côté d'une boulangerie. Je vais aller chercher une baguette et puis on va se manger un petit morceau, un petit casse-croûte vite fait avant de reprendre la route. Ça fera notre première petite pause. Allez, je vais chercher la baguette et on se prépare ça. Un petit peu de charcuterie, des betteraves rouges, du fromage et du pain, rien de tel pour une petite pause repas. Et ça nous laisse un petit peu le temps de discuter un petit peu du trajet et de la remontée pour la route. Alors je remonte par chez moi près de Lens, dans le Pas-de-Calais. Alors j'ai pas vraiment d'itinéraire ni de temps, on verra bien où la route nous mène, mais pour l'instant j'ai pris la route vers le nord. On a tout le temps. Je pense que cette nuit je vais peut-être rouler aujourd'hui 4 heures, je pense, 4-5 heures, on verra. Et puis peut-être m'arrêter, trouver un coin, un petit spot ce soir vers Saint-Dizier, je pense, dans les Eaux-là. 3 Saint-Dizier, je pense, dans les Eaux-là, on verra. J'ai pas encore regardé vraiment. Sérieusement, mais on va trouver. Bon, et comme il y a la route à faire, ce midi, ce sera Perrier. Un bon petit Perrier.
chouette. Bon, après cette bonne petite pause repas, et on reprend la route tout doucement vers le nord. J'ai regardé un petit peu la carte là. Je pense que si je roule encore 3 heures, à peu près 3h, 3h30, je devrais arriver aux alentours de entre Saint-Dizier et Châlons-en-Champagne. Ce qui pourrait être pas mal, ça fait à peu près la moitié de la route. Je pense qu'on essaiera de trouver un bon petit spot dans ce coin-là, quoi, entre Saint-Dizier et Châlons-en-Champagne, ce serait pas mal, je pense. On verra bien, même peut-être Châlons. On verra. En attendant, on prend doucement la route. Sur la route, on vient de passer Chaumont, on s'en va en direction, on est à peu près à 50 km de Saint-Dizier, je crois. On est sur la N67, petite nationale pour l'instant, on visite le coin. Donc on avance, on s'est fait une petite pause quand même avec Junior, une petite pause café, une petite pause pipi avec Junior, qui est toujours là d'ailleurs, qui se retourne. Voilà, on est bien là. On change un peu de côté. Et puis bah je pense qu'il est 3h30 là, je pense qu'on va encore rouler 1h30, 2h et puis on va voir où est-ce qu'on arrive et puis essayer de se trouver un beau petit spot pour ce soir. Je sais pas encore, on va voir. On va bien trouver ça. Allez, on continue tout doucement. Je suis assez content, c'est qu'on n'a pas eu de pluie du tout. On n'a pas de pluie du tout pour l'instant, donc il fait même plutôt bon. Il y a quelques nuages dans le ciel, mais assez doux et plutôt bon. On est bien. Une route tranquille et calme, impeccable. C'est quand même plus agréable. Bon voilà, nous voilà arrivés sur le petit spot pour la nuit. Un beau petit parking apparemment, ça a l'air calme juste au bord de la Marne. Il est 17h15 et puis on va faire un petit tour, voir ce qu'il en est. Mais avant ça je vais prendre quelques notes, parce que sur la route là, je commençais à réfléchir aux prochaines vidéos pour la chaîne et j'ai deux trois petites idées qui me sont trottées dans la tête, donc il faut que je les note. Parce que avec la petite tête que j'ai, je vais tout oublier bientôt. Alors je prends des petites notes, je fais vite et on se retrouve dehors. Et oui, parce que gentiment et doucement, on arrive déjà aux 100 premiers abonnés. Alors merci à tous déjà et merci à tous ceux qui me soutiennent en partageant ma vidéo et en mettant des petits pouces. Mais il va falloir que je pense quand même à faire une petite présentation qui va bien. Parce que au début de mes premiers abonnés, c'était principalement des gens qui me suivaient déjà sur Instagram et puis sur Facebook.
Mais maintenant, vous êtes déjà plusieurs à ne pas me connaître réellement, donc il va falloir que je fasse une petite présentation. Et une présentation en bonne et due forme, et un van tour, ainsi que la présentation de Junior. Je vais vous préparer tout ça, des idées déjà me trottent dans la tête. Je vous prépare ça pour l'une des prochaines vidéos et pour les 100 abonnés. En attendant, je vous montre le petit spot où on est arrivé pour ce soir. On va passer la nuit, un simple parking avec de quoi faire la vidange pour le camping-car, juste au bord de la Marne. Donc on est tranquille, il n'y a personne. Quelques images, on va être bien au calme. Je me suis arrêté d'abord un premier spot que j'avais vu sur Parc Fortnite, mais je trouvais qu'on était un peu trop proche de la nationale et puis il y avait pas mal de camions déjà. Là, il y a de quoi faire aussi la vidange pour demain matin avant de partir. Je sais pas s'il y a de l'eau, on va regarder. Junior, arrête de tirer, s'il te plaît. Pas d'eau, c'est pas grave, j'ai le plein. Il y a un petit plan là, on va regarder un peu si on voit où est-ce qu'on est. De toute façon, je vous mettrai le lien par Fortnite. Voilà, on est ici à Pogny. Comme vous voyez, on n'est pas très loin de Châlons-en-Champagne, donc à peu près la moitié de la route encore. On va être pas mal là, je pense, pour la nuit. C'est assez calme. Bon, il y a une route qui passe juste là, mais il y aura bien. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de passages. Et il n'y a personne. Je suis vraiment seul là. Bon, je pense qu'on va être très bien. C'est très très calme. Je peux pas lâcher Junior parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de passages, mais il y a quand même la route. J'ai vu qu'il y avait deux trois chiens qui aboyaient dans les habitations qu'il y avait à côté. Donc je vais pas le lâcher, je le garde en laisse quand même. Mais bon, pour la nuit ça va aller. Bon là, la nuit elle commence à tomber, donc on va rentrer au camping-car, on va manger tranquillement, on va passer une soirée et puis on va reprendre la route. On va prendre la route demain. Allez, on rentre au camping-car. Ça vaut bien un petit apéro. Mais en attendant, n'hésite pas, si c'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi. Moi j'ai super bien dormi. C'est un endroit très très calme. Il y a des canards, des vols de canards qui passent, c'est magnifique. Voilà. J'ai eu le temps de vous filmer ça, dommage, c'était pas mal. C'est très très calme. Je te réveille au matin, par contre, à la fenêtre, quand tu regardes comme ça, j'ai l'impression. Là, je vois même pas, même d'ici, moi, je vois pas le bord du quai et j'ai l'impression de flotter sur l'eau. Très agréable au matin pour prendre le petit déjeuner. Bon, il est 8h10, le temps de prendre mon petit déjeuner, de sortir un petit peu Junior, de me laver, de te débarrasser un peu, puis on va reprendre la route tout doucement. Un petit peu mieux, non? Allez, on reprend la route. Allez, c'est parti. Il est un petit 10h. Il me reste 250, un peu plus de 250 km à faire. Après, hop, je passe ma vitesse. On
verra sur la route. Je pense peut-être m'arrêter dans les midis pour manger un petit bout. Et puis bah, on y va tranquille de toute façon. Et on se retrouve là-bas. Allez. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, il commence à faire nuit. Et c'est seulement maintenant que je reprends les vidéos. Dès que je suis arrivé, je suis allé tout de suite voir un petit peu mes enfants. Et ben, j'ai pas trop filmé parce qu'on a profité un petit peu ensemble de se retrouver, de prendre un peu les nouvelles, de discuter un peu. Et en plus, j'ai reçu chez mes enfants tous mes accessoires que j'avais achetés. Et du coup, on a regardé un petit peu, on a fait quelques petits essais. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, je suis en train de filmer en ce moment avec mon micro-cravate parce que j'ai reçu aussi l'adaptateur. J'aurai l'occasion de vous expliquer un peu tout ça, ou si je ne l'ai pas déjà fait. Et mes enfants, eux, quant à eux, je les récupère demain pour le week-end. Donc à ce moment-là, on pourra faire des petites vidéos. Pour l'instant, je suis arrivé à Avion. Avion, c'est un petit peu mon spot et mon point de chute quand je reviens ici dans le nord, quand je reviens par chez moi pour voir mes enfants et mes proches. Pareil, il fait un peu nuit, donc je ne vais pas vous faire visiter maintenant, mais je vous ferai des petits plans vidéo et je vous expliquerai où je me stationne quand je viens ici dans le nord. Alors au moment où je suis en train de filmer ça, je filme avec mon micro-cravate. Je sais toujours pas si le son va être meilleur, mais en tout cas ça marche. Je ferai ces petits tests là et puis ben tout le matériel et tous les accessoires que j'ai achetés, il faut maintenant que je fasse quelques petits réglages, que je m'habitue avec ça et puis en espérant que pardon pour le reflet. En espérant que avec ces accessoires je pourrai vous proposer des vidéos de meilleure qualité encore et surtout pour le son. Voilà, en tout cas moi ce soir je vais rester ici sur Avion. Je vais profiter tranquillement, je vais me coucher de bonne heure je pense, et demain je vais récupérer mes enfants pour un bon petit week-end. Donc voilà. Comme je vous disais, j'ai reçu une partie des accessoires que j'ai commandé. Je suis super content. J'ai hâte de tester tout ça. Notamment ce micro. Un micro directionnel qui améliorera, j'en suis certain, l'audio dans les vidéos. J'ai hâte de tester ça. Avec la grosse moumoute pour éviter, pour pouvoir prendre les sons à l'extérieur. Sans avoir les bruits de vent. Aussi ce petit support téléphone où je pourrai aussi monter le micro. Hâte de tester tout ça. Et pour mon micro cravate, j'ai acheté aussi un adaptateur où je pourrai apparemment utiliser avec le téléphone. Ce qu'il faut savoir, c'est que lui ne marchait pas en fait sur téléphone parce que sur les mini jack 3 pouces et demi standard, il y a deux traits noirs, et sur l'adaptateur pour les téléphones, il y en a trois. Voilà. Donc normalement, ça devrait marcher. Je me tarde de tester ça et je vous fais un retour rapidement. Allez, c'est parti. Et avant de vous quitter pour ce soir, je vous fais cette dernière petite scène pour vous dire bonne nuit, à demain, mais surtout pour filmer aussi avec le reste de mon setup que j'ai reçu, c'est-à-dire le pied ainsi que ce micro directionnel. Ça permet de voir un petit peu les différences de son. Et celui-ci, donc là il y a un petit peu de vent, normalement il ne devrait pas prendre les sons du vent, et le son devrait être meilleur en théorie. Et ça, pour l'instant, aujourd'hui je commence à filmer avec, je commence à essayer de faire fonctionner tout ça, et donc il faut que je m'habitue, il faut peut-être faire quelques petits réglages, je regarderai, mais en tout cas voici les toutes premières vidéos avec mon nouveau setup. Allez, moi il vous reste à vous dire bonne nuit,
Je vais aller manger, je vais donner à manger à Junior, je vais aller me promener un petit peu peut-être aussi avec Junior, ensuite je vais aller me coucher tôt, je pense, et pour être en forme demain, passer un bon week-end avec mes enfants. En tout cas, moi je vous dis bonne nuit tout le monde, à demain. Bonjour à tous, comme vous le voyez, je me suis couvert un petit peu plus, il faut que je me réhabitue au climat ici dans le nord. Bon, les températures, c'est à peu près la même chose, ils ont bien remonté aussi, ce matin il faisait à peu près 9-10 degrés dehors. Par contre, il faut que je me réhabitue quand même à l'humidité ici, hein, parce qu'il fait un peu plus humide et c'est un peu plus cru, mais bon, j'ai passé une très bonne nuit quand même, très agréable ici dans ce petit coin. Dans ce petit spot à Avion où j'ai l'habitude de venir quand je suis dans le coin. Voilà. Donc là je me prépare, je sors un peu Junior, je me prépare un petit peu et puis je vais aller chercher mes enfants pour passer le week-end. Allez, à tout à l'heure. Bon ben voilà, ça y est, j'ai récupéré mes enfants. Il reste plus qu'à aller faire 2-3 petites courses pour se faire un petit apéro tranquillement ce midi à Intermarché. Il y a l'air d'avoir du monde. Et puis ensuite on va passer un bon petit week-end. Ouais. Allez, c'est parti. Alors Thomas, dis-nous, qu'est-ce qu'il faut pour un bon apéro ? Du saucisson. Du saucisson d'abord, on va chercher. Ah bah bien sûr. Allez, c'est parti. Donc d'abord, pour papa, rayon bière quand même. Mais pour papa. Hein. Et comme j'hésite entre les deux, eh ben je prends les deux. Et pour les enfants, petit coca. Enfin, les enfants. Alexis, plus grand que moi déjà, mais 18 ans. Il est plus costaud, c'est pas le grand. Ouais. Bien sûr. Alors, quand tu discutes à l'apéro de ta chaîne YouTube avec deux geeks, ça donne ça. Alors, faut que je filme ça, faut que je fasse découvrir ça aux abonnés. On était en train de parler de mon intro sur la chaîne YouTube. Dites-moi ce que vous en pensez. Bah, à part que c'est Dylan qui a fait ton, qui a fait ton intro. Pourquoi Dylan? Je comprends pas. Mais... Avec ton pseudo qui tourne et les kalachnikovs avec un fond bleu et de la musique qui épique et tout, c'est en 2007 qu'on faisait ça. Comment ça en 2007? Si, c'était vraiment les débuts des intros, mais là, je sais pas, ça m'avait fait rire. Ouais. C'est vraiment un enfant de 8 ans qui a fait ton intro, ça m'a fait rire. Ah ouais, donc j'aime pas mon intro. C'est pas ça, ça m'a fait rire. Laquelle? La première? Bah ouais. Et l'autre? Le début. D'accord. Ouais, donc t'aimes pas quoi. Non, elle m'a fait rire. Elle m'a fait revivre en 2007. En 2007. L'intro en 2007. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi. Ce qu'elle a spécial mon intro. Vous aimez, vous aimez pas, dites-moi. Mes deux geeks, apparemment, ils ont pas l'air d'aimer. Non, ça veut juste venir. Thank you.
comme vous le voyez, on a ressorti le bonnet élégant. Nous sommes lundi matin et il fait moins 2. Il s'est mis à neiger cette nuit et ils ont prévu des baisses de température encore en ce début de semaine. J'ai regardé jusqu'à moins 6, je crois moins 7 mercredi. Là j'ai passé un super week-end avec mes enfants, ça fait énormément de bien. On s'est bien amusé, on a bien rigolé. Là aujourd'hui je pense promener un petit peu dans les bois quand même s'il neige, ça fait quand même du bien. Ensuite je vais voir en ce début de semaine continuer à aller voir des proches et des amis. Ce soir je pense quand même partir sur Grenay, sur l'aire de camping-car de Grenay. L'aire de camping-car de Grenay, pour ceux qui m'ont suivi aussi encore sur Instagram, c'était l'aire où je m'étais mis pour le dernier confinement. J'étais resté 4 semaines là-bas, j'avais été voir le maire et il avait accepté que je m'installe là pendant le confinement, plus de 48 heures, parce que, à savoir, sur l'aire de Grenay, tout est gratuit, l'électricité et l'eau et tous les services sont gratuits. Par contre, c'est normalement maximum 48 heures espacées d'un mois. Là, le maire avait été très très gentil lors du dernier confinement, il avait accepté que je reste plus longtemps, en tout cas tout le temps du confinement. Là, je pense y retourner ce soir et demain pour les 48 heures. Ensuite, je pense reprendre la route d'ici, je pense, mercredi ou jeudi pour de nouvelles aventures. Je profite aussi pour m'excuser auprès de tous mes potes qui sont ici dans le coin. Malheureusement, je pense que j'aurai pas le temps d'aller voir absolument tout le monde. Sinon, il me faudrait plusieurs semaines, je pense. Mais bon, j'aurai l'occasion de remonter, c'est pas la dernière fois. Mais aussi remercier beaucoup d'entre eux, parce que j'ai eu forcément des messages et des nouvelles de beaucoup de potes ici dans le coin. Certains m'ont même proposé de passer chez eux, et même pour certains de me brancher chez eux, tout ça. Donc bon, c'est super gentil. Pour l'instant, en termes de batterie et de chauffage, je suis bien, donc ne vous inquiétez surtout pas. J'ai pas besoin de me brancher, là ce soir je vais me brancher quand même, mais c'est plus pour travailler, on va dire, sur Grenay. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'entendre ces propositions de me brancher chez vous, et on voit en tout cas la solidarité, et puis on voit les potes, quoi. Merci en tout cas, et puis désolé à tous ceux que j'aurais pas eu le temps de passer voir, quoi. Allez, je vous fais des gros bisous en tout cas. Je continue ma petite balade, moi. Bon, voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, et j'espère que cette petite série de deux vidéos vous aura plu. En tout cas, pour ma part, je prends toujours autant de plaisir à vous faire ces petits montages, et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux tous les jours à me soutenir et à me suivre. Ça me fait super plaisir et ça me motive encore plus, de plus en plus, chaque jour pour la suite. En tout cas, moi je vous fais des gros gros bisous, je vous dis à bientôt. Nous sommes mercredi aujourd'hui, je compte reprendre la route demain vers de nouvelles aventures et vous préparer les prochaines vidéos. Allez, je vous fais des gros gros bisous, je vous dis merci encore et à bientôt.